Viens la
revient, continue à lever mon Dieu. Continue à lever mon Dieu. Tout est arrivé, je dis à vous fâcher, pour pas adorer mon Dieu. Mais à soi, moi-même, moi décider. Comment tes noms vous louer? Comment tes noms vous adorer? Comment tes mains levées vers les cieux? Comment tes noms vous adorer? Tout ça que tu fais me fâcher, comment tes cœurs adorer? Comment tes mains m'adorer? Comment tes pieds m'adorer? Comment t'es non moi c'est pour louer mon Dieu. Non moi c'est pour louer mon Dieu. Pas besoin de connaître qui m'a dit quand c'est lié en t'écrire. Mais en soi, moi je viens louer mon Dieu. En soi, moi je viens adorer mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 8 et 9 nous dit, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Oh, à soi, en temps, mon levé, mon lait. Dis, génération bénie. Génération bénie. M'a besoin qu'on ait ça, yo, dis, sous famille. M'a besoin qu'on ait ça, yo, dis, sous la vie. Mais on seul bagage fort, dis, génération. Génération bénie. Et c'est pour ça. Pour dire mon Dieu merci, génération bénie, la vie bénie, s'entraîne-moi bénie, petit-moi bénie, Marie bénie, alléluia, gloire à Jésus, génération bénie, alléluia, soyez bénie, alléluia, gardez mon qui est à droite ou qui est à gauche, de la soyez à me venir louer, amen, à soyez à me venir adorer, amen, ma besoin qu'on est pour que soit venu, mais moi me venir adorer. Je viens adorer à soi, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Regarde la personne à côté de toi et dis, Dieu est fidèle. Regarde l'autre personne à côté de toi et dis, Dieu est fidèle. Philadelphie, ouvre ta bouche ce soir et dis, Dieu est fidèle. Ah, invité, ouvrez votre bouche ce soir et dis, Dieu est fidèle. Pendant 50 ans, il a marché. Pendant 50 ans, il nous a guidés. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle pour nous, Philadelphie. Amen. Grand en fidélité. Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. On va le redire encore. Grande en fidélité. Grande en fidélité. Oh Dieu, mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Terre compassion pour moi ne sont pas
Ton âme dit grand grand fidélité. Il est grand fidélité. Jour après jour, tu me tiens à la gloire. Tu as pourvu, tu as pourvu. Chaque jour. Fidèle.
toi fidèle. Lem gade son fè nan la vi mwen, mwen fin realize ou toi et. Ti savem sou kwa sa vre. Ou toi fidèle pou kite. Ou toi fidèle ou pa fèm defo. Lem gade son fè. Lèm gade sa fè nan la vi mwen vi realize ou toi fidèl pou kite. Et son fait dans la vie moi vivre et réaliser. Ou toi fidèle pour guider. L'aime garder son fait dans la vie moi vivre et réaliser. Ou toi fidèle pour guider. L'aime garder son fait dans la vie moi. Et sans faire dans la vie les plus sous, nous vivons réalisés, nous toi fidèles. Oh, si, hey. L'aime garder sans faire dans la vie, moi. L'aime garder sans faire dans la vie, moi. Son fait dans la vie moi. Come on. Ça avec nous de reconnaissance m'a parlé à soi. L'aime garder son fait dans la vie moi. Wow. L'aime garder son fait dans la vie moi. Son fait dans la vie moi. Moi vivre réaliser. Ou toi fidèle pour guider. L'aime garder qui part où t'es vivre grand. Moi vivre réaliser. Ou toi fidèle pour guider. L'aime garder côté où ramasser. Son fait dans la vie. Moi vivre et réaliser. Pour toi fidèle pour guider. L'aime garder son fait dans la vie. Moi vivre et réaliser. Pour toi fidèle pour guider. Pour toi fidèle pour guider. Ah, chantez pour tout le monde. Hein? Pour toi fidèle ou pas fait.
Lem gade sa fe, lem gade kote ou te prom, lem gade kote ou te prom, lem gade kote ou te levim. Ah! Ou toi fidèle pour quitter. Ma kon pou même songe kote bon Dieu te prom. Ma kon pou même songe kote bon Dieu te levim. Ah! Ma kon pou même songe kote bon Dieu te prom. Ah! Ah! L'aime te vin jouen li, la vie moi te changé. Li plaman maso, li fem vin entier. Grâce à lui, moi ka papti. Li plaman maso, li plaman maso, li fem vin. Libre ma maso, come on. Libre ma maso, libre vie sur mon aïe aïe aïe. Libre ma maso, change au côté entier, attends dans Dieu, attends très sous, qu'il y a libre ma maso. En dernière fois, libre-moi ma soeur. Libre-moi ma soeur. Libre-moi ma soeur. La majesté de notre Dieu pour sa fidélité, mais c'est aussi c'est la constance qu'il a démontré à travers les 50 ans. Ce soir, je vais prendre le temps pour vous parler comment je suis arrivé à Philadelphie. Je vous demanderai de prêter attention pour les prochaines 5 à 7 minutes. Je pense que c'est tout ce qui m'est alloué. C'était dans les années 1989 et particulièrement en juin 1989. Le pasteur Kirchner Firmin est arrivé à New York et il a entendu un jeune prédicateur prêcher à l'église baptiste du Rédempteur. Et ensuite, il est revenu à New York et il a entendu le même prédicateur prêcher à la première église baptiste d'expression française de New York que dirigeait le pasteur Thomas Jean-Baptiste. Il est tombé en amour avec ce qu'il a entendu et il est rentré à Montréal et puis il a pris mes coordonnées. Et il m'a dit, j'aimerais que tu viennes à Montréal présenter pour nous une conférence d'anniversaire. Dès lors, il fêtait, Pierre Angulaire fêtait ses 10 années d'existence. J'ai consenti à faire le voyage en autobus. C'était le début de mes voyages à travers le globe. Et j'ai prêché 10 messages, du premier dimanche de juin au deuxième dimanche du mois de juin. J'ai commencé la série le dimanche soir, et mardi soir, on a fait salle comble pour ceux-là qui se rappellent de l'édifice qu'occupait l'église biblique Pierre Angulaire sur Saint-Denis. Et à partir de là, la semaine a fait boule de neige et arrivé à jeudi soir, il n'y avait plus de place pour contenir les gens qui s'affluaient vers cette conférence. Philadelphie, dans ce temps, était dans ce temps de transition. Et j'ai terminé ma semaine, je suis retourné aux États-Unis
Et mon téléphone a sonné quelques semaines après, de juin à novembre. J'ai reçu 3 invitations pour revenir à Montréal. J'ai reçu la 2e invitation de l'église Ebenezer, la 3e invitation de l'église Baptiste Bethesda que dirige le pasteur Frisbert Joseph. Et ainsi, ça continuait. Et en novembre 1989, j'ai reçu l'invitation pour venir prêcher une conférence à Philadelphie. Philadelphie connaissait entre-temps, dans ce temps-là, ce qu'on appelle une vacance pastorale. L'église était dirigée par une assemblée de frères. Je peux citer frère Oui, c'était frère Casimir, frère Sylvain, je m'en souvenais de frère Agastin et je m'en souvenais de frère Philistin, pour ne citer que cela. C'était l'année de mon mariage. Je me suis marié le 4 novembre 1989 et il fallait regarder entre mes lunes de miel et cette invitation, qu'est-ce que je fais? J'ai réalisé que je peux entrer à Montréal et ensuite faire la première semaine. Et j'ai demandé à pasteur Firmin de me faire une réservation d'hôtel pour ma première semaine de lune de miel de noces, ce que ma femme n'a jamais cru qu'il était de lune de miel, parce que la côte de ma palavolame toujours doué lune de miel. Donc c'était le premier dimanche du mois de novembre et ainsi je suis rentré à Montréal le dimanche 5 novembre. Je me suis marié le samedi 4 novembre 1989. Je suis rentré à Montréal ce grand matin au premier vol. On n'a pas dormi et on était à l'aéroport à 6h du matin. À 8h du matin, je m'en souvenais, Maestro Émile et sa femme sont venus nous chercher à l'aéroport et ainsi nous avions séjourné dans les Laurentides pour la première semaine. Et la 2e semaine, le frère Gentil-Paul, de regretter mémoire, qui était devenu le premier diacre de l'église, m'a fait une réservation dans un hôtel plus près d'ici et que nous avions séjourné de rester tout près pour faciliter la conférence que Philadelphie a voulu organiser pour sa fête de moisson en novembre 1989. La semaine était palpitante. Le premier sermon, c'était que frère Guillaume aime surtout à interpeller, c'était un bilan négatif. C'était le dimanche matin. Et puis le dimanche soir, j'ai commencé une série sur « Ayez les regards sur Jésus ». Donc, on a fait la semaine ensemble, mais étant donné qu'on m'a appris que c'est une église difficile et qu'il faut me surveiller, j'ai dit « Ah, j'ai rien à surveiller, je viens, je prêche, je dis ce que le Seigneur me demande à faire et puis je pars ». Mercredi soir, l'église a fait salle comble chaque soir. Mercredi soir, le comité des frères m'a demandé de est-ce que ça me dérangerait si je consentirais un entretien avec eux jeudi soir avant le service. Ce n'est pas de mon habitude d'avoir des réunions avant ma prédication, mais ils comprenaient aussi que je ne voulais pas m'attarder après le service, transpirer, ils voulaient me changer. On était très jeunes, ma femme et moi, et puis on a consenti, simplement moi à la réunion, de venir. Je pensais qu'on allait me dire que le message était trop sévère et ne convenait pas, et qu'il faut arrêter la semaine, qu'il trouvait un autre prédicateur. J'étais correct avec cela. Mais à ma grande surprise, dans cette réunion-là, il y avait Sœur Astrée Saint-Côme, il y avait aussi Maestro Émile, qui n'était pas membre du comité, mais qui était le représentant de l'Assemblée. Et ainsi, je m'en souvenais, les noms que vous avez cités tantôt, je viens d'ajouter Sœur Saint-Côme, je viens d'ajouter Frère Gentil-Paul, et ensuite, qui n'était pas du comité, et ensuite Maestro Émile. J'ai demandé aux frères pourquoi ces gens-là, qui ne sont pas du comité, sont là. Ils disent qu'ils représentent l'Assemblée et veulent avoir la garantie qu'ils font la demande que l'Assemblée voudrait. Est-ce que je pourrais considérer à devenir leur pasteur? À le croire ou non, je n'ai pas été au séminaire pour devenir pasteur. J'ai été au séminaire simplement pour asseoir ma connaissance de la Bible. Je redoutais le pasteur, je le redoutais
Et j'ai voulu être à la fois avocat, ingénieur. J'ai fréquenté toutes les universités. Et à chaque fois que j'arrive à la dernière année pour boucler mes études en génie architecture et ensuite mes génies en droit, donc ça n'a pas été trop facile. Et mon pasteur à New York de regretter mémoire m'a dit, Eden, tu as peut-être compris que le Seigneur ne veut pas que tu sois ni avocat, que tu ne vas pas être ingénieur non plus. Il dit, pourquoi tu ne vas pas faire le droit évangélique et l'architecture chrétienne. Il dit, il est clair que tu as un don de prédication et le Seigneur semble avoir. Mais depuis mon enfance, j'avais cette hantise de faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Et ceci depuis, je peux me rappeler, depuis ma prime enfance. Donc je suis passé de moniteur de classe d'enfants à moniteur de classe de jeunes. Je suis passé de cela pour devenir président de la jeunesse, pour devenir directeur de groupe de chant. Et cela continue pour devenir président de la Fédération des jeunes entre New York, New Jersey et Connecticut, pour devenir évangéliste. Et j'étais bien dans ma peau et cela allait très bien. Mais je ne pouvais jamais dire que je n'avais pas senti l'appel. Que ce soit mon aventure vers l'école de génie ou bien vers l'école de droit, c'était juste pour contourner l'appel. J'avais une conception difficile du pastorat dans le contexte haïtien. Et je me suis dit, je n'ai pas fait non plus preuve de pauvreté, encore moins voir vivre la vie de ce que j'ai vu que ces gens qu'on appelle pasteurs sont en train de vivre. Je m'en souvenais en août 1983. Je prêchais à une petite église que dirigeait mon oncle dans l'état de New Jersey. À Jersey City particulièrement, c'était l'anniversaire de cette église, une petite assemblée. Il m'a dit de prêcher le dimanche d'anniversaire. Je dis pas de problème. Et puis, tandis que je m'arrangeais à prendre la chair après qu'on ait fait la première partie du culte, et puis je baissais la tête et je fermais les yeux, je priais pour que le Saint-Esprit prenne la place pour que le message soit délivré. Littéralement, j'ai senti deux mains s'apaiser sur mes épaules avec une lourdeur tellement que j'ai dû arrêter la prière pour regarder est-ce que mon oncle ou l'un des officiants voulait me dire quelque chose, ce qui serait bizarre parce qu'on est carrément au cœur d'une prière préludant la prédication. J'ai retourné mes yeux, j'ai vu tout le monde tête baissée, yeux fermés. J'ai continué la prière. Alors, la minute où j'allais ouvrir mes yeux une deuxième fois, le geste s'est répété avec la même force. J'ai prêché le message, je n'ai rien dit à personne. Et puis après le service, une sœur de l'assemblée m'a appelé et m'a dit, « Frère Eden. » J'ai dit, « Oui, sœur Thérèse. » C'était comme ça qu'elle s'appelait. Elle m'a dit, tu avais deux personnes en arrière de toi tandis que tu priais. Est-ce que tu les as vues? J'ai dit, non, j'ai senti des mains. Je n'ai pas vu personne. J'ai dit, j'ai vu deux personnes. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. J'ai dit, Et je suis parti. Et quand je suis arrivé en 89 ici pour prêcher, et j'ai vu non seulement le besoin, mais j'ai senti aussi que Montréal était à craindre et Philadelphie n'était pas considérée comme étant église où il faut assumer un pastorat, pour plusieurs raisons. Non seulement parce que ce que j'ai entendu, ce qui a été dit par rapport à cette église, mais aussi j'ai fait des observations à l'intérieur de mon séjour et je me suis dit, c'est pas la chose. Quand ils m'ont demandé, ils m'ont fait la première demande, j'ai pas même réfléchi. Pas même réfléchi pour une minute. Et puis j'ai dit en créole, je me disais, ou bien nous tomber sous tête, ou bien nous, par contre, ça passe à l'église. Et puis frère Sylvain a pris la parole. Il dit, ah, pasteur, où t'as dit nous à prier? Il dit, non, il n'y a pas moyen de prier pour ça. Ah, ils étaient sortis bredouilles dans la réunion, déçus de ce qu'ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été reçus comme, la doléance n'a pas été reçue comme ils l'auraient souhaité. Sitôt terminé, j'ai pris l'avion, je suis retourné, et maintenant, ils ont formalisé la demande, ils ont envoyé une lettre officielle pour faire la demande.
Et j'ai appelé au téléphone. Généralement, on dit en administration, on répond une lettre par une lettre, un coup de téléphone par un coup de téléphone. Je n'ai pas pris le temps d'écrire. J'ai dit non, je ne suis pas intéressé. Mais ils n'ont pas cessé. Et que ce soit des frères qui vont voyager avec des sœurs, venir me voir de façon impromptue. N'oubliez pas que je vous ai dit que je suis jeune couple. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont réalisé où est-ce que je vis à New Jersey, j'ai déménagé. J'étais dans le nord de New Jersey maintenant. Je me suis dit, je m'en vais quelque part plus loin. Comme ça, je suis au sud de New Jersey, presque tout près, à peu près de quelques 30 à 45 minutes de Pennsylvania, de l'école où j'avais fait mes premières études. Ah, ils m'ont trouvé. Ils ont trouvé mon téléphone, ils ont trouvé mon adresse. Et en septembre 1904, je suis venu ici en novembre. En septembre 90, j'ai vu Sœur Huguette, j'ai vu Frère Ramsès, j'ai vu Frère Florimard atterrir chez moi un samedi après-midi. Ils sont venus dans la moisson à Clermont. Pour vous qui connaissez New York, Brooklyn, c'est presque à 2h30 de temps de route en voiture. Donc, ils ont consenti 5 heures de route de temps, en plus des 8 heures de temps qu'ils ont fait pour venir à New York, pour venir me voir et dire, « Pasteur, pourquoi vous ne faites pas la considération, au moins de dire que vous allez prier ?» Quand j'ai vu un gars de figure sur Huguette, un gars de Frère Florimard, Frère Ten, il y avait deux autres personnes dont je ne peux pas me rappeler exactement c'était qui. Et je lui ai dit, vous direz à Phila et la fille, je prierai 50% et ils prieront 50%. Et la relation continue. Quand il y avait des problèmes, il m'appelle. À un moment de la durée, il voit que ça tardait, que je ne suis pas vraiment intéressé. Et puis, il m'a envoyé une demande. Il dit, est-ce que vous voulez consentir de venir une fois par mois, au moins nous donner la Sainte-Seine et puis vous partirez. J'ai compris qu'ils sont en train de me forcer la main pour devenir pasteur. Je leur ai dit, ce n'est pas ma considération. Il dit, on avait dit, je vous ai dit qu'on va prier 50% des deux côtés. Laissez la prière faire son chemin. Et si vous pouvez célébrer avec nous ces 50 ans, j'ai 30 ans comme pasteur de cette église. Je bénis le Seigneur pour le cheminement à un moment de la durée, à proximité de cela, quand les 50-50 se sont établis, et puis je suis venu en 90, et puis ils m'ont dit, pasteur, le Seigneur ne t'a rien dit. J'ai dit, on continue à prier. J'ai fait la deuxième conférence sur Néhémie. Levons-nous et bâtissons. C'était la deuxième série de sermons prêchés, deuxième. Mais entre-temps, il m'invite pour venir à Pâques, il m'invite pour venir en fin d'année, il m'invite. J'ai fait des conférences un peu à tous les niveaux, j'étais simplement un pasteur invité. En 90, ma femme est tombée enceinte et puis Jonathan allait arriver au monde et puis ils m'ont demandé de venir. N'oubliez pas, Jonathan va être né en décembre et je suis venu en novembre pour prêcher leur conférence, c'était la dernière, avant de devenir pasteur. Et puis après que j'ai laissé Montréal, j'ai réfléchi, j'ai prié, mais le Seigneur m'a déjà donné des signes qu'une autre sœur de notre église à New York, et puis m'a appelé, m'a dit, frère Eden, tu vas voyager, tu vas faire un voyage et tu vas rester là où tu vas voyager. J'ai dit, pas moi. Il dit, oui. Le Seigneur m'a montré que tu es en train de déménager, de faire des valises. Il dit, oui, je pars toujours, chaque mois je pars, donc ça ne veut rien dire. C'était ma façon de reculer devant l'appel. Et comme le Seigneur a toujours gain de cause, et après avoir posé des trois raisons que je savais qui étaient très, très difficiles. Premièrement, que c'est ma femme qui donne la réponse, parce que ma femme travaillait à Wall Street, avait un bon salaire dans le temps, et demander à cette femme de se déplacer pour venir à un pays où il n'a ni mère, ni tante, ni frère, ni cousin. Et ma femme est très, très attachée avec sa famille. C'était très difficile. Et je disais au Seigneur, je ne vais pas convaincre ma femme de laisser sa carrière, de laisser sa maison, sa famille. Si tu veux que je vienne comme pasteur à Philadelphie, tu vas le convaincre. C'était le premier 3 ans. Quand je suis retourné en avril faire la conférence de Pâques, après, je parle toujours en 90 ici,
après que je suis venu, qu'on a fait la conférence et on a déposé les bagages à la maison, juste à la porte. Et ma femme m'a regardé dans les yeux et dit, on s'en va. Il dit, on s'en va où? Il dit, on va à Montréal pour répondre à l'appel du Seigneur sur ta vie. Maintenant, je ne suis pas convaincu. Je suis retourné en novembre pour prêcher la conférence de Moisson qui était toujours en novembre. Et ma femme portait très bien la grossesse de Jonathan, excepté ça allait se compliquer à l'accouchement. Et le médecin nous a donné la date pour l'accouchement exactement dans la date où ma femme doit accoucher. J'ai dit au Seigneur, je vais répondre à Philadelphie pour prêcher sa conférence. Mais 2-3 ans. Que tu retardes ou bien que tu avances l'accouchement. Je ne veux pas être absent à la naissance de mon premier enfant. C'est ou bien que tu recules ou bien que tu avances l'accouchement. Que j'ai le temps d'aller à Montréal et de prêcher la conférence, que j'ai une semaine pour me reposer pour que je puisse assister ma femme. Si ce n'est pas ça, Philadelphie, pas là-dedans. Deuxième 3 ans. Le Seigneur m'a répondu sans même poser question. Je suis venu prêcher la conférence, j'ai eu ma semaine de repos, et puis juste 7 jours plus tard, et puis ma femme me dit, au milieu de la nuit, j'ai des douleurs. Et quand Jonathan est né, j'ai compris que 2e, 3e, c'est difficile de reculer là. J'ai demandé un 3e, 3e. Et ce 3e-là, je le garde pour moi. C'était très personnel, c'était très, 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 très personnel. Je vais vous donner simplement juste un petit aperçu. Je venais d'acquérir le travail de ma vie. Je travaillais avec le système légal pour avoir été étudiant en droit. Et le salaire dans le temps, c'était $50 de l'heure au déplacement. Donc, je commence à toucher à la minute que je passe les clés dans ma voiture. Si je travaille 30 minutes, on me paye 8 heures de temps. Je travaille 1 heure de temps, on me paye 8 heures de temps. À la minute où je traverse 8 heures de temps, je travaille double. J'ai touché le double. Il faut laisser ce travail-ci pour venir répondre. Comme ça, bon Dieu fait, chaque fois que je me dépasse pour mal dans le travail-là, il y a un policier arrêté. Et quand le policier m'a arrêté, le dernier policier qui m'a arrêté, il me dit, ah, c'était une erreur d'identité. Il fouillait ma chine, moi, en fait, en comble. Il me dit, désolé, après 2 heures de temps, désolé. La dernière fois qu'un policier m'a arrêté, j'habitais dans une maison entre cour et basse-cour, si vous savez ce que ça veut dire. Donc, je sortais de ma maison pour aller au travail. Le policier m'a arrêté littéralement à la sortie de ma maison. Il m'a dit, il y a un stop dans ta cour, tu ne l'as pas fait. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Bon. Et puis, quand j'ai dit ça à ma femme, il m'a dit, tu es trop téméraire. Ma femme est montée sur la machine à taper. Il m'a dit, tu me dis quoi mettre dans la lettre. On va répondre au Seigneur. Et c'est comme ça, en novembre 1991, 3e dimanche au soir, j'ai accepté l'appel du Seigneur. Sur la chaire à Saint-Vallier, j'ai signé le document pour dire j'accepte à devenir pasteur de cette église. Envers et contre les turbulences. Et voilà pourquoi je n'ai pas eu crainte ou peur ou quoi que ce soit. Je ne suis pas venu ici par émotion, je ne suis pas venu ici par volonté, je ne suis pas venu ici parce que je cherchais un poste de pasteur. Je suis venu parce que le Seigneur m'avait envoyé. Et je rends grâce ce soir, après 50 ans, 30 ans de ministère, honneur à la fidélité de Dieu. Seigneur, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dans cet élan de gratitude, on va vous inviter encore une fois à vous lever
et à célébrer l'Éternel avec nous pour sa fidélité, non seulement dans notre vie, mais dans la vie du pasteur. On va se lever, puis on va déclarer « Merci Seigneur ! » Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Tu es bon 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 Seigneur ! Alléluia ! Tu es bon Seigneur 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 ! Action de grâce à l'Éternel 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 ! Action de grâce pour Pasteur Eden à l'Éternel ! Amen ! Action de grâce parce qu'il a répondu à l'appel ! Action de grâce ! Action de grâce parce qu'il nous conduit. Action de grâce. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il nous édifie. Action de grâce. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il nous instruit. Action de grâce. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il nous éduque. Béni soit ton nom. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il rend l'intelligence au simple. Alléluia. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Action de grâce à l'Éternel parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Amen. Action de grâce à l'Éternel pour ses 50 ans encore une fois. Action de grâce à l'Éternel pour les 30 ans de Pasteur Eden dans cette église. Action de grâce à l'Éternel pour les 30 ans de Pasteur Eden dans cette église. Action de grâce à l'Éternel pour les 30 ans de Pasteur Eden dans cette église. Action de grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel. Sauver ma lèvre devant moi, Amen, lui conduit moi dans bon chemin. Nos oreilles, moi parler, m'adorer. Mais chanter, oui. Avec lui. Chaque pas moins fait, connaît Jésus va guider, n'y a plein vie, au lit toujours même. Jour et jour, moi parfait, n'est pas moi. Assurance, moi commencé failli et devant me gagne en falaise infinie. Moi viré j'ai. Force moi, laisse-moi marcher à chaque pas. Le gouvernail de Manassel. Oh quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus. Le gouvernail de Manassé. Oh quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, dans la nuit,
gouvernail, le gouvernail de ta nacelle. Oh, quel repos, oh, quel repos, quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, dans la nuit, ton cœur chancelle avec Jésus. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien. Avec Jésus, avec Jésus, madame ouvrez le bas, Marie ouvrez le bas, oui tout est bien. Avec Jésus, avec Jésus, on sort tout pour contre. Avec Jésus, ça l'a rempli, oui, mais on sort tout pour contre. Avec Jésus, avec Jésus. Avec Jésus, vous carrez le oui, mais on sent tout pas tendre avec Jésus. Avec Jésus, avec Jésus. Vous priez ou affaire, personne va occuper avec Jésus. Avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Quel est quand on vient? Avec Jésus. Avec Jésus. Alléluia. Avec Jésus. Alléluia. Oui, tout est bien. Seulement avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Oui, tout est bien. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Oui, tout est bien. Avec Jésus. Avec Jésus. Parce que vous comprenez ça tout est bien parce que ha, oui il fait bon Dieu fait oui il fait pour oui il fait oui il fait Dieu fait, oui, fait pour moi, bon Dieu, non. M'a chanté pour l'église là. Oui,
Yo papiti espoir te semble fini, 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 mais bon Dieu fait ça yo pas de fléwaya, ça yo pas de pensée, yo pas même imaginé, mais bon Dieu fait. Tout est fait contre nous, ha! Pour nous pas de réussir. Mais l'Éternel campe pour nous, pour nous, pour l'élever tête nous. Tout plan est fait contre nous. À Philadelphie, chantez non. Pour nous pas de réussir. Fait contre nous pour nous pas tout réussir. L'élevé tête, mais l'Éternel campe pour nous, pour nous, pour l'élevé tête. Philadelphie, chantez. Mais l'Éternel campe pour nous, pour nous. L'élevé tête nous. Alléluia. Hey. Mais l'Éternel ramasse nous. L'élevé tête nous. Mais l'Éternel parle pour nous. L'élevé tête nous. Mais l'Éternel campe pour nous. Pour nous. L'élevé tête nous. Mais l'Éternel parle pour Amen. Nous. L'élevé tête nous. Mais l'Éternel campe pour nous. L'élevé tête nous. Mais l'Éternel parle pour nous. L'élevé tête nous. Kounia, avec nous on joue, fais mon Dieu tendez. Fais mon Dieu tendez. Fais mon Dieu tendez. Fais mon Dieu distension. Pose parce que qu'on monte sous la terre. Cap à la veine. Fais mon Dieu faire sans jour paix. Pour le cap tendez. Fais louange ou monter. Fais adoration monter. Parce que lui lève tête tout. Lui lève tête tout. Yes. Ça pas de fleur. Ça fait cadeau. Parce que bon Dieu. Wow. L'élevé tête, ma côte côte, non qui trouve t'es tombé. Ma côte non qui trouve t'es tombé. Bon Dieu campé vous. Bon Dieu vino à ma soeur. Bon Dieu vino parler vous. L'élevé tête tout. L'élevé tête tout. Quand on y est, vous m'avez imaginé là. Mais bon Dieu. Ah! Thank you.
du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre tête. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a confumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec toi. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Amen. Nous pouvons faire exercice là, soya. Nous pouvons faire exercice là, soya. Mais ça m'entendait. Dieu demande présentement une adoration, une pré-adoration. Les grands bagages, ils peuvent le faire pour oui. Ils peuvent le faire. Mais on peut le faire en adoration comme si bagages étaient là déjà. Parce que oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu, l'enfer. Donc, nous la captons en réponse. Non, mais bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu dit réponse l'envoyer déjà. Ah, chérie, akabashata. Bon Dieu dit réponse l'envoyer déjà. Mais quel est Satan pensé qu'a bloqué réponse là? Quel est Satan pensé qu'a bloqué réponse là? Mais bon Dieu dit. Pas rien qui a tourné sous moi, qui me fait, qui oh, chéria kabashata. Ce que j'ai dit ne revient pas à moi sans effet. Hey! Prends réponse, toi. Prends réponse. Bon, excusez-moi l'expression, oui, mais bah yon adoration, moun fou. Bah yon adoration, moun fou. Quel moun qui qu'on a fort? Quel moun qui qu'on a fait? Yo, ouais, 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 yo, ouais, ouais, pas doré. Yo, ouais, ouais, pompé. Y'a demandé, mais qui j'en fais? Qui j'en fais camper toujours? Qui j'en fais pomper toujours? Parce que bon Dieu fait, mais le pas connaît. Yes, 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 yes. Bon Dieu fait, attendez. Bon Dieu fait, attendez. Réponse la vie. Réponse la vie. Gros ange cap coumé là. Gros ange cap coumé pour débloquer. Gros ange cap coumé pour débloquer. Gros maman là. Qui besoin de petit pitounet. Ah, pas inquiète, aux paroles, bon Dieu, ma jambe va émotir. Élève la force selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsque devenu grand, il ne s'en détournera pas. Ligue pour le tourner, oui. Ligue pour le tourner. Parce que bon Dieu fait, yes. Lui fait le pour. Lui fait le pour. Bon Dieu. Oui, lui fait. Oui, lui fait. Allez. Oui. Gagne la foi, soir. Fais agir ta foi ce soir. Fais agir ta foi ce soir. Il y a une mer à devenir. Ah, il y a une mer à devenir au nom de Jésus. Bon Dieu seulement qui t'a fait. Le même qui tient ton gouvernail, c'est lui qui va le faire. Come on. Ah. Willy fell, Willy. Oh. Amen, oui. Alléluia.
Son alléluia naturel pour moi. Besoin alléluia surnaturel là. Alléluia. Alléluia. Assurez que alléluia ça pas que monde qui a bloqué. Pas que démon qui a bloqué. Pas que hechiria kabashata. Alléluia. 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 Pas dit parce que m'a dit dit parce qu'on reconnaissant. Alléluia. Yeah. Yes. 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 Ah. Ba kon pou mbeni oui. Mbeni oui. Mbeni oui. Mbeni oui. Ah. Willy Fell. Dieu siège au milieu des louanges. Ah, sou pas connaît bon Dieu là, oui. Bon Dieu là. Mais maintenant, nous faisons un exercice. Soyez un peu fini. Maintenant, nous faisons un exercice. Dieu est là. Et lorsque Dieu est dans une place, il y a beaucoup d'attitudes qu'on peut avoir. On peut avoir l'attitude de la foule. Parce qu'on se souvient que Dieu donne à manger. Dieu fait des miracles. Il donne à manger. So, nous, quand derrière, on tiquichoy. Il y a aussi l'attitude de ses disciples qui, eux, ils sont des habitués. Ils sont des habitués, ils sont toujours avec Dieu. Jésus ne les étonne pas. Jésus ne les étonne pas parce qu'ils sont toujours avec lui. Ils savent qu'est-ce qu'il peut faire. Mais il y a aussi l'attitude d'une femme de perte de sang. Les babas, ils foulent la règle rien pour lui. Les babas disciples, ils ne règlent rien pour lui. Les mêmes, c'est les mêmes à bon Dieu. Ce soir, je veux que vous preniez la position de la femme de perte de sang. Oui, tu es venu avec ton mari. Oui, tu es venu avec ta femme. Mais toi seul peux toucher le pan de sa robe pour toi. Toi seul peux toucher le pan de sa robe pour toi. Et la foi ce soir, parce que il fait déjà. Ah! J'allais partir, désolé. Nous avons un groupe de louanges invités avec nous. Le groupe de louanges de l'Église de Dieu, la source et rocher des siècles. Je sais que vous connaissez l'Église de Dieu, la source. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Église de Dieu, l'Église de Dieu, la source, c'est anciennement appelée Église de Dieu d'Outremont. C'est une église très chère à moi. C'est une église très chère à moi. Lorsque je suis là-bas, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Juste une petite anecdote. Je me rappelle une fois, ils faisaient leur fête de moisson. Nous, qu'est-ce qui pourrait représenter la fête de moisson? Pour nous, c'est l'action de grâce. Ils faisaient la fête de moisson et puis moi, je chantais d'ici. Et je suis arrivé là-bas en retard. Donc, vu que j'étais en retard, j'étais devant... j'étais pas dans le sanctuaire, mais devant une porte à côté du sanctuaire. Et il y a... un des fils du pasteur. C'est un gros service, c'est la moisson. Un des fils du pasteur m'a vu et sa chaise, où est-ce que lui était? Je pense qu'il était diacre dans le temps. Il est venu, m'a pris, il m'a dit, tiens ma chaise. Pour moi, c'était... Ça paraît comme de rien, mais c'est le fils du pasteur, c'est la moisson de son église et il m'accueille à bras ouverts. Depuis ce jour, je ne me suis jamais senti comme un étranger dans cette église. J'ai aucun problème avec eux. Quand ils ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler. Puis c'est pas nécessairement pour chanter. Je peux faire n'importe quoi pour eux. Ça me dérange pas. Nous connaissons. Nous tendez? So, je vais vous laisser avec eux. L'Église de Dieu, la source et rocher des siècles. Merci. Merci beaucoup. Faites comme chez vous. Alléluia. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Combien de monde qui veut louer bon Dieu à soi? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. N'observons bon Dieu qui est fidèle. N'observons bon Dieu qui est capable. N'observons bon Dieu qui connaît agir. Nos problèmes, nos circonstances, nos tristesses, nous, les campés là, les campés nous jusqu'à la fin. On nous bat, mais nous ensemble, on y va. Alléluia. Oh oui, bon Dieu,
que ou assis, bon Dieu m'connait en fidèle. Ou assis, moi béni non parce que ou assis, oh oui, l'Éternel, ou fidèle, ou réel. Oui, l'Éternel, ou fidèle, ou réel. On y va. Oui, bon Dieu m'connait. Parce que ouachi, oh oui, bon Dieu qu'on en fidèle. Ouachi, oh oui, moi béni non parce que ouachi, bon Dieu qu'on est, bon Dieu qu'on en fidèle. Ouachi, oh oui, moi béni non parce que ouachi, oh oui, bon Dieu qu'on en fidèle. Ouachi, oh oui, moi béni non parce que ouachi, chantez l'Éternel, l'Éternel, ou fidèle. De Dieu, juste deux, trois personnes, des gens qui sont reconnaissants, parce que malgré les choses, malgré les circonstances, le Seigneur vous a gardé encore vivant. Deux, trois personnes, voir qu'il y a seulement, ok, c'est juste deux, trois personnes qui sont fidèles, non, qui réalisent la fidélité de Dieu. Ok, il y a du monde encore, ils n'ont pas encore compris, ok, c'est correct. J'ai
besoin de voir les gens qui comprennent la fidélité de Dieu dans leur vie et dans leur église. Si c'est non ou pas, levez-les mains. Commencez, balancez. On y va. Balancez pour fidélité, mon Dieu. Kounia souka fonti pompe. Pompe pour fidélité, mon Dieu. Pompe pour fidélité, mon Dieu. Bon Dieu Israël. Bon Dieu Israël. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu fidèle en pire. Oh non, li pas pression. Li pas mes jambes la guébiti. Li mérite adoration. 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 Li mérite pour nous louer. Li mérite pour nous louer. Li mérite pour nous acclamer. 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 Oh oui, oui, m'a levé pour délivrance moi. Non, présence tout peuple. Thank you.
fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Ma vie t'appartient. Disons-le ensemble. Fidèle, 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 fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, fidèle est le Seigneur. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. No filters!
Alléluia, ta louange. Alléluia. La gloire. Elle te revient. Encore une fois, ma louange. Reçois-la, Seigneur. Alléluia, les mains levées. Avec un cœur bien disposé. Reçois ma louange, Seigneur. Ma louange. Elle te revient. La gloire, la gloire, la gloire. Elle te revient. Ma louange, alléluia, la gloire. Ma louange, alléluia, la gloire. La gloire que son nom seul mérite. La gloire que son nom seul mérite. Alléluia. Alléluia. Ma louange te revient. Et toute la gloire te revient. Est-ce que vous voulez prendre 30 secondes, juste 30 secondes, pour donner un mot d'intimité au Seigneur? Alléluia. Parce que toute la louange, toute la gloire revient au Seigneur. En dépit de tout, dans les bons moments, dans les mauvais moments, toute la gloire revient à Dieu. Alléluia, alléluia. Toute la gloire revient à Dieu. Et ce soir, je viens te dire qu'en dépit de tout, alléluia, la miséricorde du Seigneur, elle se renouvelle à chaque matin. Vous pouvez témoigner ce soir, après 50 ans de fidélité, que si ce n'était pas pour la miséricorde de notre Seigneur, où serions-nous ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Yahweh, alléluia, merci Seigneur, gloire à toi Jésus, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, 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 alléluia. Miséricorde. N'est pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Alléluia. L'y renouveler. Oui, chaque matin. Alléluia. Oui, chaque matin. On me dit ça pour encore. Prends son machin. Miséricorde, pas fini, alléluia. Compassion, bon Dieu, pas fini. L'y renouveler, alléluia. Oui, chaque matin. Oui, chaque matin, miséricorde, papa. Miséricorde. Non, il n'est pas fini. Pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Non, il n'est pas fini. Pas fini. Oh, il est renouvelé. Renouvelé. Oui, chaque matin, oui, chaque matin. We chaque matin, we chaque matin, we chaque matin. Qu'on a levé voir si miséricorde ou miséricorde ou miséricorde. Levez mer, dis ça. Infini. Compassion, compassion, mon Dieu. Compassion, mon Dieu. Même
les nous pas mériter, même les nous pas mériter. Chaque matin, oui, chaque matin. Oh, oui, chaque matin, oui, chaque matin. Là, nous faisons ça, alléluia. Miséricorde, Yahweh. Alléluia. Non, n'est pas fini. Compassion, mon Dieu. Oh, n'est pas fini, non. Pourquoi, pour tout ça? Parce que Mon cœur, mon cœur,
acclamer sacrifice Jésus à pour soi. Alléluia. Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclamer. Alléluia. 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Combien de monde qui reconnaissant soya? Hein? Pour 50 ans, nous devons reconnaissant. Alléluia. Reconnaissant pour tout ça que vous faites pour moi. Vous êtes fidèle et charitable pour pécher. Vous pardonnez. M'a toujours chanté, on m'a pas oublié que vous méritez, au moins pas chanté, au fin de merci. Reconnaissant pour tout, tout ça que vous faites dans la vie, pour être fidèle, pour être fidèle et charitable, et charitable, tout péché mieux. Jamais, jamais, pas de chance qu'à finir sur merci. Oh merci. Encore une fois, reconnaissant. Pour tout ça. Combien de monde qui reconnaissent, frère? Levez-vous. Montrez bon Dieu reconnaissant ce matin. Oh, rappelez-vous, où de l'y faire avec vous. Et charitable, tout péché mieux, tout péché mieux, pardonnez, pardonnez. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, fais pour vous. Visionnez merveilles dans la vie. Pour vous, oh, et charitable.
Seigneur. Tu es fidèle dans tes voies, Seigneur. Fidèle, mais Dieu, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Qui t'aime, qui t'aime.
Traversé à travers les 50 ans, tu as manifesté fidélité. Nous sommes devant ta majesté ce soir pour reconnaître que tu es Dieu et pour dire à qui veut l'entendre que tu n'es pas simplement Dieu en haut dans le ciel, tu ne fais pas simplement de la terre ton marchepied, mais tu es Dieu dans notre vie. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu as béni envers et contre nos faiblesses. Merci de ce que tu nous as entourés envers et contre notre Dieu nos écarts. Merci de ce que tu as pardonné lorsque ton peuple s'est présenté en humilité devant ta majesté. Merci de ce que tu as préservé la vie de cette Église contre les attaques de l'ennemi, contre les frustrations, contre les moments de désarroi. Nous avions traversé un désert brûlant.
mais tu nous amèneras dans ton Canaan. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans toutes nos circonstances, parce que tu es le Dieu des grandes délivrances. Ce soir, nous t'apportons notre adoration dans nos louanges, dans nos actions de grâce, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et c'est cette fidélité que nous célébrons ce soir. Seigneur, en nos accents de louange, que ce soit avec notre Dieu l'équipe de louange d'autres mondes ou de la source, que ce soit avec notre Dieu nos jeunes ici à Philadelphie, nous avions pu comprendre que c'était nécessaire de venir en ce lieu pour que le ciel se mêle, ô notre Dieu, à ce concert de louanges qui n'est pas tissé, ô notre Dieu, de grand apparat, mais d'une humilité pour parler de ta fidélité dans les expressions de simplicité, pour dire à qui veut l'entendre, nous servons un Dieu fidèle. Seigneur, c'est cette fidélité qui a permis que dans les temps de turbulence, que Philadelphie ne s'est pas effondrée. Mais tu nous as permis de marcher même sur les eaux agitées. C'est cette fidélité, ô notre Dieu, quand il y avait, ô notre Dieu, les vacances pastorales. Tu as pourvu à des serviteurs de la communauté pour nous, pour mettre, ô notre Dieu, à notre service, parce que tu es le Dieu fidèle. Ainsi, ô notre Dieu, nous te bénissons pour tout cela que tu as utilisé dans des zones, ô notre Dieu, de vraiment de grandes épreuves pour maintenir le cap, pour pouvoir marcher quelquefois, ô notre Dieu, dans l'adversité. Mais aujourd'hui, nous pouvons contempler les horizons de la bénédiction parce que tu as semé tout le long ta fidélité sur nos pas. Merci, Père des cieux, pour ces murs dans lesquels nous nous sommes réunis, où nous avions pu traverser, ô notre Dieu, d'un édifice à un autre. Si nous reprenons l'histoire, tu connais les lieux, tu connais, ô notre Dieu, les transitions, tu connais aussi les zones d'incertitude. Nous avions été, ô notre Dieu, en un certain temps, la risée de cette communauté. Mais aujourd'hui, tu nous as relevés, tu nous as pardonnés et tu as fait briller ta gloire sur cette église. Tu es fidèle. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour chaque âme que tu as sauvée. Nous voulons te dire merci pour chaque frère que tu as restauré, ô notre Dieu, chaque ouvrier que tu as scellé par ton Saint-Esprit, chaque don que tu as dispensé, et particulièrement, ô notre Dieu, chaque message proclamé, chaque table dressée, chaque action de grâce célébrée, chaque Pâques, ô notre Dieu, où nous avions été dans ce sanctuaire, parler de la puissance de ta résurrection. À chaque dimanche, tu as pourvu un prédicateur pour parler, pour dire à ton peuple, ainsi parle l'Éternel. Pour les malades que tu as guéris, nous te bénissons pour ceux que tu as appelés aussi dans l'éternité, parce que tu es souverain. En tout, nous avions expérimenté ta fidélité, qui pouvait essuyer les larmes de nos yeux, qui pouvait, ô notre Dieu, nous relever de nos chutes, qui pouvait nous pardonner dans nos manquements et nos indignités. Qui pourrait, ô notre Dieu, prendre la marche devant nous et dire, voici le chemin mal saisi. Quel autre Dieu pouvait faire, ô notre Dieu, ce que tu as fait à Philadelphie, quand c'était le temps, ô notre Dieu, de contempler les outrages sous toutes formes, les tempêtes médiatiques, tu t'es révélé fidèle. Seigneur, nous te bénissons le nom ce soir. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons. Et comme un seul peuple ce soir, nous t'acclamons. Nous disons que tu es digne de louange, que tu es digne de louange, que tu es digne de louange, que tu es digne de louange. Oh, sois célébré, sois élevé, sois magnifié, sois acclamé en ce lieu, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle. Béni sois-tu pour ces 50 ans que nous sommes en train de célébrer. Le reste de la célébration est entre tes mains. Que ce soit ce soir ou les événements qui nous conduiront jusqu'à 2022, novembre prochain, nous prions que ce soit dans le nouveau sanctuaire. Nous prions que ce soit dans le nouveau sanctuaire. Nous prions que ce soit dans le nouveau sanctuaire. Tu nous donnes la grâce de marcher dans ces lieux et pour dire gloire à l'Éternel des armées.
dans notre prière. Merci pour les âmes que tu as sauvées. Merci pour celles que tu as restaurées, les familles que tu as visitées. Merci pour les malades, ô notre Dieu, qui sont encore sous ta garde. Merci, ô notre Dieu, pour les divorces que tu as carrément, ô notre Dieu, contrecarrés. Merci, ô notre Dieu, pour la division que tu as épargnée. Merci, ô notre Dieu, pour ton peuple que tu as restauré. Sois magnifié ce soir. Et nous disons louange à ta majesté. Nous disons louange à ton éternité. Nous disons louange à ta bonté. Nous disons louange à ta fidélité. Sois béni par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il y a deux personnes que je veux citer ce soir, c'est Sœur Darius et Sœur Vertulia Bois. Sœur Darius m'avait rencontré à Pierre Angulaire et après nous avoir suivi la série de messages, et puis avec elle était accompagnée de Sœur Bois, et puis les deux se sont approchés. Nous m'a dit: pasteur, serais-tu en mesure de considérer de visiter aussi notre église, parce que nous vivons des temps très difficiles. Voudrais-tu accepter que je demande aux leaders de vous adresser une lettre d'invitation pour venir prêcher pour nous en novembre prochain? J'ai dit: novembre, c'est pas un mois à considérer, parce que je me marie en novembre. Et puis, littéralement, ils ont mis les deux mains dans la tête. Ils disent: pasteur, s'il te plaît. Et j'ai réfléchi. Et je n'ai pas dit ni oui, je n'ai pas dit ni non. Et la prochaine fois, j'ai reçu une lettre d'invitation de Philadelphie pour venir en novembre 89. Je bénis le Seigneur pour sa démarche. Je bénis le Seigneur d'avoir donné cette clarté. Non seulement d'avoir donné cette clarté, mais ce sens d'humilité pour répondre à des temps de grandes difficultés. La voix était très jeune, le visage était très attrayant, l'énergie était là. J'ai donné ma jeunesse à cette église, le Seigneur m'a donné sa grâce dans ce ministère. Que le Seigneur bénisse. Philadelphie gain raison pour le psalmodier, bon Dieu la soya. Philadelphie gain raison pour le bail, bon Dieu, action de grâce à soya. Ce soir, en terminant, nous louons le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pendant ces 50 dernières années, mais aussi pour ce qu'il va faire. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et lorsque nous sommes en attente, nous n'avons qu'une seule parole à dire: c'est déjà fait. Philadelphie, c'est déjà fait. Philadelphie, c'est déjà fait. Philadelphie, c'est déjà fait. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Comme dernière chanson pour terminer la soirée, on va demander à Dieu de nous armer pour les 50 prochaines années. On va demander à Dieu de nous donner les outils pour pouvoir continuer le bon travail qu'il fait. Nous savons qu'il est fidèle et juste pour pouvoir poursuivre avec nous. Amen. Amen. Combat, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. À de nouveaux combats. Nous serons
Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous dirige, que Dieu vous conduise. Au nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'avais dit ce matin, c'était intentionnellement d'inviter la source à venir participer avec nous dans cette soirée de célébration, parce que Marc Elie aura aussi une délégation au banquet. Nous avions essayé d'avoir la présence de Bethesda, ces deux pasteurs de la communauté qui ont servi Philadelphie, et d'autres pasteurs n'ont pas pu répondre. Samuel a eu d'autres engagements et il s'est excusé. Peut-être qu'il reviendra à une autre occasion avant que l'on termine les événements de 50 ans. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ici. Et nous bénissons le Seigneur pour le talent, la grâce que vous aviez dégagée sur cette terre ce soir dans cette célébration. Sachez que Philadelphie, c'est votre autre église. Le pasteur Georges disait qu'il s'en souvient toujours de sa première classe d'école du dimanche quand il venait d'arriver. Et on a partagé la chair ensemble en plusieurs occasions. Et vous savez que la source, je suis l'autre pasteur à la source. Nous bénissons le Seigneur pour votre talent et votre ministère de louange. Gardez le cap, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous, vous êtes chez vous. Cette célébration n'est pas simplement pour ceux-là que nous avions invités, mais c'est votre célébration. Nous bénissons le Seigneur pour les talents que vous aviez dégagés, pour la préparation, le décor que vous aviez fait. Vous êtes une source d'inspiration pour votre pasteur. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Avant. Amen. On va prier ensemble, puis on va prier pour.